What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et je vais vous parler en fait de quelque chose comme une nouvelle invention quelque part par une compagnie allemande qui est BMW, on connaît tous hein, avec cette fameuse marque de voiture, tout ça un peu de luxe quelque part aussi, et donc qui vont présenter, enfin d'ailleurs c'est un peu du moment, au CES 2014, normalement j'allais un peu au niveau des dates, c'est du 7 au 10 janvier si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment du moment qu'ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils étaient donc en partenariat avec une très grosse compagnie aussi, mais de téléphonie. Et ouais, les gens, donc Samsung, il y a pas mal de personnes qui vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils foutent BMW avec Samsung? Eh bien, ils ont pu créer une application qui va relier ces deux choses, c'est-à-dire les smartphones avec cette fameuse BMW. La BMW, ça s'appelle donc la BMW i, la BMW i, je pense qu'on pourrait l'intituler comme ça. Donc, il y a une application en fait qui s'appelle BMW i Remote Application. Donc en gros, vous pouvez contrôler depuis votre smartphone quelques petites choses depuis votre véhicule hein. Donc on va dire une sorte de petit bonus cette application vous proposera. Donc c'est quand même quelque chose. Alors au début j'ai cru que c'est vrai comme ça, on a l'impression putain tu peux limite contrôler ton véhicule grâce à ton smartphone. Heureusement que non. Hein, on peut pas démarrer le véhicule, quoique putain j'espère qu'il y aura pas trop de hackers qui vont bidouiller ça, parce que quelque part ça peut devenir méga dangereux. Non mais normalement l'application est basée sur ça et ne pourra pas s'agrandir au niveau des choses supplémentaires hein. Il pourra pas démarrer la voiture, avancer. Et c'est vrai que moi ça m'a fait peur parce qu'au début j'ai cru putain limite tu peux contrôler ton véhicule et puis limite le tu sais comme une sorte de voiture télécommandée quoi, c'est ça. Sauf que là c'est pas un petit truc. Hein, c'est pas un petit truc à 100 €, tu vois, c'est vraiment la grosse BMW que tu t'achètes à 20-30 000 €, et puis que voilà, tu vas la promener, hein, donc attention, là tu vas faire des accidents. Non, mais on n'est pas dans GTA, mais vous allez pouvoir contrôler certaines choses. Par exemple, je vous donne des petites astuces qui peuvent vous aider. Bon, le prix du véhicule n'a pas encore été donné, donc ça a été un exemple ce que je vous ai donné. Klaxonner depuis en fait, là par exemple, là c'est une montre que vous mettez, donc spécial Samsung, et bien vous pouvez, par exemple, je sais pas, vous avez oublié où vous avez mis votre véhicule, ça peut arriver, c'est vrai, quelques fois dans un parking, peut-être en l'air, fatigué par la nuit ou autre. Voilà, vous revenez de ça, on va dire c'est un gros parking d'un supermarché, tout ça à plusieurs étages, vous êtes un peu perdu, et puis depuis votre téléphone vous allez faire klaxonner votre véhicule. Putain, la personne qui est à côté du véhicule, il va rien comprendre, il va avoir peur, tu sais, il va voir le véhicule qui klaxonne alors qu'il n'y a personne dedans. Et donc, vous appuyez sur un bouton, boum, il klaxonne, et puis après, vous allez essayer de vous guider. C'est vrai que c'est un peu plus pratique que ce système de warning complètement bidon. Hein. Bon, ça peut servir, mais si t'es pas au bon étage, le warning te sert à rien. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais le klaxon, c'est vrai que ça peut faire chier. Ça va faire chier d'autres personnes aussi, hein, que quelqu'un n'arrête pas de klaxonner dans un parking à 3 à 4 étages. Ça peut faire chier à pas mal de gens autrui. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, il y a en fait pas mal de choses qui sont compatibles avec cette application qui vont bien sûr transférer les données bien à l'appareil dans le système, en fait, dans l'électronique embarquée en fait du véhicule qui est ici une BMW. Aussi, vous pouvez envoyer par exemple, je sais pas, vous voulez aller chez un pote qui s'appelle Antoine, et bien vous allez sur votre téléphone, vous prenez Antoine avec l'adresse qu'il vous a envoyée, vous l'envoyez directement sur en fait le GPS et bien de votre véhicule, rien à taper. Bon, aussi c'est vrai que c'est un gadget hein, après ça reste à voir combien ça coûte, et puis l'application aussi certainement qui sera payante. Bon, c'est que ça fait plaisir franchement de trouver ce genre de choses. Vous pouvez par exemple, je sais pas, vous êtes chez vous et puis vous dites, bon après ça faut bien sûr avoir le véhicule hein, donc c'est pas pour tout le monde, et puis il faut avoir une BMW aussi hein. Tout le monde n'a pas une BMW, on est d'accord. Hein. C'est le prix est c'est un peu hors prix, tu vois, c'est cher quand même. Hein. C'est pas donné. Surtout que ça va être une des dernières éditions, tout ça, donc va falloir vraiment payer une fortune. Eh bien, voilà, vous êtes chez vous et puis vous dites merde, est-ce que j'ai fermé les portes de ma voiture? Et puis elle est sur son téléphone ou sur sa montre, tout ça qui est compatible avec Samsung, tout ça avec l'application. Et puis va regarder si les portes de son véhicule sont bien fermées. Donc il y a aussi d'autres options en fait qui sont disponibles, mais voilà, ça c'est principalement. Alors bon, c'est vrai que c'est un gadget, on peut en parler, en discuter, en rigoler, mais se le procurer,
C'est autre chose, hein. Je pense qu'on n'est pas vraiment du même avis pour se le procurer. Bon, ça fait plaisir d'entendre ça, mais bon, ça reste un gadget et franchement, on va pas prendre un véhicule pour ça, hein, pour le truc qui va klaxonner tout seul. Tu peux te la vanter tout ça, mais bon, quelque part, hein, si t'es devant une go ou devant ta petite copine, entre parenthèses, tu dis, tiens, regarde, j'ai un nouveau véhicule, une BMW i. Et là, ce qu'elle peut faire, elle peut klaxonner, tu vois, j'appuie sur le truc, il klaxonne, tu vois, c'est trop cool. Et la meuf, elle va te regarder, elle va faire, ouais, super, super. Ouais, mais, ouais, bah, ouais, c'est bien. Ouais, waouh, klaxonne. Waouh, tu peux voir. Cam a planté, donc oui, je me fais tout petit, en fait, pour vous faire un petit au revoir. Voilà, j'ai terminé avec à peu près tout ça. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Putain, merde, un peu penché, voire. C'est beau comme ça? dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, ça peut être intéressant d'en discuter. Moi, mon opinion, c'est ce que je vous ai dit. On peut en rigoler, en discuter, mais se procurer, c'est autre chose. En plus, ça va à quelque chose quand même d'hors prix. Bon, c'est faut le savoir quand même que Samsung se sont associés avec cette compagnie allemande, BMW, pour créer la BMW i, nouveau système d'électronique embarqué chez BMW. En gros, c'est ça, avec une application, tout ça, à laquelle vous pouvez connecter votre smartphone dans le système électronique embarqué. Et puis, ça peut donner quand même des bonnes petites choses. Voilà, merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle et aussi de me poser des questions sur Ask. Qui est dans la description, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, peace out.